Exercice 14, une histoire de pilule qui rajeunit. Pour tenter de gagner le prix Nobel de chimie et les 1 million d'euros promis au vainqueur, Jamel décide d'inventer une molécule de synthèse qui fait rajeunir. L'ingrédient phare est la cacahuète, qui constitue un quart de sa pilule. Les 4 neuvièmes de la pilule sont constitués de chocolat au lait. Le reste de la pilule est composé de sucre, matière grasse de palme, dextrine colorant, E100, E133, E171, stabilisant, émulsifiant, j'en passe et des meilleurs. Première question, quelle fraction de la pilule représente ce reste? Donc un quart pour la cacahuète, 4 neuvièmes pour le chocolat au lait et le reste. Alors, on va déjà déterminer la proportion de la pilule prise par la cacahuète et le chocolat au lait. Donc, on va déjà commencer par ajouter ces deux quantités-là. Un quart plus 4 neuvièmes. Ici, j'ai deux nombres écrits en fractions avec des dénominateurs différents. Donc, je vais convertir ces écritures-là de façon à faire apparaître un dénominateur commun. 9, c'est pas un multiple de 4, donc je vais prendre tout simplement 4 fois 9 comme dénominateur commun. Donc bon, un quart va se transformer en 1 fois 9 sur 4 fois 9. Et après, mon 4 neuvième va se transformer en 4 fois 4 sur 9 fois 4. Comme ça, j'ai 9 fois 4 en bas ici, et j'ai la même chose ici, 4 fois 9. Du coup, ça nous donne 9 sur 9 fois 4, 36, plus 4 fois 4, 16, sur 36. Et tout ça, ça fait 25 36e. Alors là, ma fraction est déjà irréductible. Tac. Donc 25 36e, c'est ce que représentent la cacahuète et le chocolat au lait. Du coup, il va nous rester ici. Eh bien, 11 36e. Voilà. Comme ça, on aura bien 25 plus 11, 36 36e, c'est-à-dire la totalité de la pilule. Donc, quelle fraction de la pilule représente ce reste? Eh bien, le reste, hop, modifier ça, le reste représente. Onze trente-sixième de la pilule. Ensuite, ces pilules sont de différentes couleurs. Il y en a des jaunes, des rouges, des bleus, des vertes, des oranges et des marrons. Alors, les pilules jaunes et rouges représentent 3/7 de toutes les pilules. Donc ça, si tu veux, c'est la totalité et la répartition des couleurs des pilules. Et donc, les rouges plus les jaunes, ça représente 3/7. Deuxième question, du coup, quelle est la proportion de pilules rouges, sachant que 2/9 des pilules sont jaunes? Bon, là, on a une petite soustraction à faire, hein, c'est visuel. Nombre de pilules, en fait, on a 2/9 plus les rouges qui est égal à 3/7, une addition à trous. Pour résoudre ce problème, ça revient à faire une soustraction, donc 3/7 moins 2 neuvièmes, donc moins les jaunes. Là encore, j'ai deux nombres écrits en fraction avec des dénominateurs différents, donc je vais convertir ces deux écritures-là, là. Donc 3 septièmes, alors je vais prendre comme dénominateur commun 7 fois 9, donc je vais avoir 3 fois 9 sur 7 fois 9, et ensuite on enlèvera du coup 2 fois 7 sur 9 fois 7. Voilà, comme ça j'ai le même dénominateur. Très bien. 3 fois 9, ça fait 27. 7 fois 9, ça fait 63. Donc on a 27 63e moins 14 63e. Et ça, du coup, ça fait 13. 13 63e. Alors là aussi, ma fraction, elle est irréductible. Je te le dis, hein, par expérience, tu peux essayer de chercher un nombre qui divise 13 et 63. Tu n'en trouveras pas hormis 1. Donc on a 13 63e des pilules qui sont rouges.
Ensuite, sachant qu'il y a autant de pilules bleues que de vertes, que d'oranges et de marron, déterminer la proportion de chaque couleur sur le schéma précédent. Alors, bah en gros, hein, si on a 3 septièmes pour les rouges et les jaunes, eh bien tout le reste, les 4 autres couleurs, ça représente 4 septièmes de toutes les pilules. Bon. Et sachant qu'on a autant de pilules bleues que de vertes, que de oranges et de marron, eh bien finalement on en a 1 septième pour chaque couleur, tout simplement. Hein. 1 septième plus 1 septième plus 1 septième plus 1 septième, ça fait bien 4 septièmes. Voilà. Voilà la répartition des couleurs dans nos pilules. Et enfin, question 4, reconnais-tu cette pilule? À toi de me le dire.